À plusieurs reprises durant la saison, les membres des Maraîchers du Cœur ont offert à la population le fruit de leur récolte au marché public. On la voit bien ici, oui. Ça va juste, j'ai une main qui glisse par exemple. Chacun a une responsabilité dans le jardin, qui fait qu'au bout du compte, ils arrivent au terme de leur expérience, fiers d'eux-mêmes, et peut-être prêts à ce moment-là, justement, à faire les choix qui vont leur donner peut-être accès à l'avenir. On dirait que Véron, il manque quelque chose en avant. C'est comme se dépasser, dans le fond, à travers un objectif qui est celui du jardin, mais aussi à travers la capacité de travailler avec d'autres, d'interagir avec d'autres, d'être respectueux, d'apprendre à échanger. Donc, c'est un tout. Hein? Les maraîchers du cœur, c'est pas juste des légumes, c'est aussi toute l'interaction qui se fait dans le jardin entre eux, entre les intervenants qui les accompagnent pendant 22 semaines. Dans un kiosque, c'est des choses qui vont toujours pogner, peu importe le type de kiosque que tu vas monter. C'est toujours ta présentation avec ton produit. L'objectif premier des maraîchers du cœur, c'est de permettre à des jeunes adultes, je dis bien adultes parce que c'est pas des enfants, de pouvoir éventuellement opérer des changements dans leur vie qui vont faire en sorte que ils vont aller quelque part, parce qu'en ce moment, ils sont un petit peu dans les décisions, l'école, le travail. Les cocons vont arriver à 75 ou 1 $. Parce qu'ils réalisent vraiment la valeur du travail qu'ils ont fait toute la saison, le travail, tout ensemencé, planté, l'entretien. Sur le coup, ils ne réalisent pas, mais on dirait que quand ça se met à sortir puis qu'ils vendent tous les légumes puis que les gens s'y arrachent, qui ressortent avec une petite caisse pleine d'argent. C'est comme tout à coup, vraiment, ils prennent conscience de la valeur de leur travail. Et voilà, madame. Ça fait 1,56 $. Merci, c'est beau. Merci, madame. Passez une excellente journée. C'est 2 $. 2 $. Ça oblige une discipline de vie, mais ça se fait aussi dans un cadre sain. On est dehors, on travaille physiquement. Et l'objectif des légumes, je pense qu'on peut juste dire que c'est noble et que c'est une bonne chose pour une ville comme Rimouski. Merci, monsieur. Passez une excellente journée. 2. On vise à juste donner le goût de reprendre en main sa vie, de se donner des projets de vie. C'est une saison au niveau des participants qui est très intéressante. On a une belle équipe cette année de jeunes adultes intéressés par ce qu'on fait, intéressés par ce qu'ils font et qui donnent, en tout cas jusqu'à maintenant, le signe qu'ils ont le goût d'entreprendre quelque chose dans leur vie. C'est près de 140 jeunes adultes qui sont passés par les Maraîchers du Cœur depuis l'ouverture, il y a maintenant 13 ans. On a toujours fait ce jardinage et je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que le jardinage enracine l'individu comme il enracine les semis. Et à ce niveau-là, je pense que pour les participants, c'est une belle occasion de s'enraciner dans eux-mêmes. C'est une belle occasion aussi de pouvoir donner le fruit de leur travail. Hein. Ça, c'est toujours valorisant. Aussi, le fait de savoir qu'on peut aider du monde, c'est toujours une chose qui m'a tenu à cœur. Si je peux aider le monde, je vais les aider. Si je peux pas, mais c'est autre chose. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Moisson a besoin d'à peu près 5 000 livres de légumes par mois. Alors nous, on essaie de combler 3 mois de leur activité auprès de leur clientèle en donnant environ 5 000 de légumes par mois. Pour moi, aider le monde, c'est toujours quelque chose qui a été, si on peut dire, important, parce que le fait de savoir qu'il y a du monde dans le besoin à tous les jours. La ville de Rimouski a offert aux maraîchers du cœur en 2002 le terrain actuel où l'on prépare la terre, sème et récolte les légumes. Mais à chaque année, la même inquiétude refait surface. La difficulté qu'on a, c'est toujours que ces terrains-là que la ville nous prête, c'est pas récurrent, dans le sens que chaque année, on doit recevoir l'autorisation pour recommencer un nouveau jardin chaque année. On peut pas, nous, se regarder de projet sur le long terme. Et c'est ça qu'on trouve dommage. Par exemple, on pourrait avoir une serre sur le terrain pour pouvoir justement qu'on ait des tomates qui rougissent sur le plan. Actuellement, c'est difficile parce qu'ils sont pas en serre. Et on est dans une région dans l'Est du Québec qui demande de la chaleur. Donc, l'installation d'une serre requiert qu'on soit là plus qu'une année. Ce que j'entends, c'est qu'on serait encore ici l'an prochain pour une autre année. Et donc, on a la certitude que l'année prochaine, on devrait avoir à notre place encore. Je pense que la ville reconnaît l'importance de ce projet-là pour la ville de Rimouski.